L'heure des vacances a sonné pour Classe Égale à Harlemilly Brossoulou. La journaliste de 30 ans profite d'un break bien mérité au bord de la plage après une année riche en bouleversements. C'est naturellement en famille qu'elle a quitté Paris pour quelques jours et, sur Instagram, la jolie brune a donné quelques nouvelles vendredi 30 juillet 2021, en photo. L'épouse de Thomas Hollande a notamment fait craquer sa communauté en dévoilant une superbe photo d'elle en compagnie de ses deux enfants. L'adorable Jeanne, née en 2019, et le tout jeune Noé qui a pointé le bout de son nez en janvier dernier. Sur l'image, Émilie Brossoulou apparaît au sourire, main dans la main avec son aîné et bébé dans les bras. My gang Jeanne Noé Mumoftwaou, a-t-elle légendé avec amour. Outre la tendresse qui se dégage du cliché, la figure de France 3 a fait sensation en dévoilant une silhouette athlétique. 7 mois après avoir accueilli son deuxième enfant, dans un joli maillot de bain, une pièce noire décolletée et un short en jean. Les internautes sont d'ailleurs nombreux à avoir glissé un petit commentaire pour complimenter la belle. Cette deuxième grossesse ne fut pas des plus évidentes, comme elle l'avait confié lors d'une interview pour Télé Loisirs. Avant de donner naissance à son fils, au début, ça a été compliqué car j'étais alitée et je ne l'ai pas très bien vécu. Mais aujourd'hui, je la vis très bien, de manière très intense et en famille. La sage-femme m'a en revanche demandé de ralentir un peu car je suis à 200%, avait-elle déclaré. La belle-fille de François Hollande et Ségolène Royal a par la suite accouché chez elle. Ce qui fut un moment exceptionnel pour elle. Si je raconte cette expérience aujourd'hui, c'est parce que trop peu d'entre nous se renseignent sur les différentes possibilités d'accoucher. C'était mon cas lors de ma première grossesse. J'aimerais faire prendre conscience aux femmes qui me liront que nous méritons toutes une naissance heureuse et respectée, avait-elle rapporté sur Instagram.